Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, je ne suis pas seul pour faire ce petit podcast, mais qui est finalement assez récurrent sur la chaîne. Non, Je dis récurrent, mais en réalité... J'en ai plusieurs là au moment où on parle. J'en ai plusieurs en cours de montage. Il enfin, une revient après que celui-ci ait été fait. C'est incroyable. Euh, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et je pense que les deux, comme je l'avais dit dans l'autre, d'ailleurs, c'est extraordinaire, il y a une sorte de, de sentiment de déjà vu qui se fait exactement là. J'avais dit dans l'autre que je ferai les deux d'affilée. Et bien maintenant, je vous dis que les deux autres se font maintenant d'affilée. Mais frontières est quand même sorti. Incroyable. Nous intéressons donc à Xavier <laughs> C'est début de podcast c'est très étrange, mais essayez de oui. manière un petit peu de recontextualiser. Puisque nous sommes donc avec Jules Melon tout d'abord et nous allons parler, comme à l'accoutumée depuis déjà quelques podcasts, de la filmographie de Xavier Jean. Après nous être intéressés à Julien Maury et Alexandre Bustillo, donc pour essayer dans le cinéma de genre français. Jules Melon, tout d'abord, comment vas-tu ben Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde. Bonsoir Xavier, s'il si nous écoute aussi. Parce que je sais qu'il a écouté le podcast sur Frontières. Et est-ce qu'il nous écoute ici après ce qu'on a dit sur Hitman J'espère, croisons les doigts. Voilà. Là, on va pas par... Alors là, on va parler d'un film qui est quand même peut-être oui. plus intéressant. Hein. Alors voilà, je... effectivement, juste avant pour contextualiser, mais normalement de toute façon, on sera monté avant, nous avons travaillé, sur, donc, euh, réfléchi autour de, de, de Hitman, qui est un film un petit peu particulier dans sa filmographie, on, une... on va dire la manière dont il est sorti par rapport à Frontière. Là, on est quelques années plus tard, on est en 2011, et on va parler donc, de. Qui n'est pas pour le coup, euh, il avait commencé en France, il m'a un film américain, c'est un film indépendant qui est une coproduction allemande, canadienne et américaine. Et c'est un film un peu particulier, on va y revenir. Alors, moi j'ai un rapport particulier au film et je vais. Le temps de parler tout à l'heure un petit peu aussi, parce que ça m'intéresse d'avoir justement toi ton retour, euh, puisqu'on a discuté un petit peu en off juste après que tu aies vu le film, puisque tu m'as envoyé un petit message euh, et des photos de forêt, parce que je pense que tu avais besoin d'un petit peu de forêt et de bien-être. <laughs> C'est exactement ça, une oui. <laughs> positivité. Euh, alors, au casting, on retrouve Lauren German, qui moi est une actrice que j'aime beaucoup. Vous avez pu voir notamment, et je pense que c'est son rôle le plus notable, parce que c'est ce qui faisait, je pense, en grande partie la, la qualité. Alors, au-delà de l'idée de Tarantino, qui était hyper intéressante, qu'il a soufflé à Eli, Eli Ross à l'époque, sur Hostel 2, donc qui jouait l'héroïne de Hostel 2, qui était bien plus sensible et intéressante que les gros beaufs du premier Hostel. Ça, c'est une petite parenthèse. Euh, on retrouve Michael Bean incroyable, Tyrese évidemment euh, qui va incarner un personnage assez particulier et assez intéressant qui est important dans la narration globalement, qui va disparaître une partie du film dans une certaine mesure mais qui est important au début notamment et à la fin euh, moi un acteur que j'aime beaucoup qui est Michael Eklund euh, qui fait beaucoup de salauds dans le cinéma et, euh, et là finalement il, il est aussi un, un beau salaud <laughs> et on l'aime bien pour ça, il a joué notamment dans The Call de Brad Anderson qui est un film que moi j'aime bien, je ne suis pas très fan de Brad Anderson complètement j'ai balancé une petite, une petite balle réelle, comme ça, tranquille, ici. Je déteste The Machinist, qui est un film que je trouve chiant comme la pluie. Euh, mais j'aime bien Brad Anderson, notamment pour ce The Call. Et puis, son dernier, d'ailleurs, je vous conseille très fortement, Blood, avec euh, Michel Monaghan, qui est un excellent petit film de vampire sorti cette année. Petite parenthèse. Donc voilà, pour parler de Michael Cood. Et puis, important aussi de signaler Rosanna Arquette, qui non joue problème. un personnage éminemment touchant et euh, qui a un destin aussi assez tragique. Mais je pense que dans le film, globalement, c'est un film qui traite, qui a une approche de tragédie en fait. Donc euh, tout est tragique et tous les dessins des personnages sont dans une certaine mesure euh, tragiques. Mais ça, vous le savez dès le début de toute façon. cest c'est un film on parlait, on a discuté un petit peu avant d'un autre mini en disant que c'était un film qui n'était pas foncièrement spoilable. Là, c'est un petit peu pareil. Je trouve que c'est compliqué de parler de spoil dans ce film-là parce qu'on voit d'emblée où il va, où il veut aller en fait et où il va. J'avais peut-être à la fin un petit élément supplémentaire qui peut étonner ou qui peut nous prendre un petit peu à revers sur le dessin du personnage principal, mais en tant que tel, voilà, on est sur quelque chose qui est difficilement spoilable. Donc je vais faire un, un truc très simple pour ce qui est du, du synopsis, c'est très simple. On est balancé directement dans l'action. On est dans un sorte d'immeuble et tous les locataires de l'immeuble ou propriétaires de l'immeuble vont se réfugier au sous-sol après qu'une alarme ait retentie, Il se passe un cataclysme, une apocalypse dehors. On n'en sait pas vraiment plus. On en apprendra au fur et à mesure un petit peu davantage. Et un certain nombre d'individus qui habitent ce bâtiment vont se retrouver grâce au personnage incarné par Michael Bean, dans un sous-sol qui a totalement aménagé. C'est un survivaliste, un somme toute, et ils vont se retrouver enfermés dans ce sous-sol-là à essayer de survivre. C'est très très simple. Il va y avoir des interactions avec ce qu'il y a au dehors. On ne sait pas vraiment ce qui se passe au dehors, mais certaines choses vont entrer, essayer d'entrer. Il va y avoir des éléments qui vont faire qu'au bout d'un moment, ils vont se retrouver complètement enfermés dans sous-sol là. Essayer, ils sont sept ou huit, il me semble, de, de survivre ensemble. Et puis surtout, c'est pour moi un film intéressant socialement de reconstruire une sorte de micro société et voir comment euh, l'humanité, dans un cas d'extrême survie. Euh, va essayer de reconstituer un tissu social après son délitement. Mais est-ce que cette reconstruction n'amènera pas non plus à un délitement Ça, C'est tout le questionnement qu'il y a derrière. Donc, moi, c'est un film, juste pour pouvoir, avant de t'interroger justement sur la réception, c'est un film que j'ai vu en 2012, donc en, en 2011, quand il est sorti. Euh, en 2012, il peut être sorti en DVD pour le coup. Et euh, c'est un film que j'avais regardé pour le coup avec, avec ma femme. Et c'est un film qu'on avait. Euh, donc moi, j'avais un très, 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 très mauvais souvenir. Euh, c'est un film que je n'ai pas du tout aimé dans un premier temps. Euh, et après coup, je crois qu'il y a vraiment une confusion dans ma perception du film entre le goût amer et la dureté et l'âpreté du film et la noirceur du film et ce qui m'a fait, c'est-à-dire vraiment une très très mal à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de films hein, qui me mettent mal à l'aise, notamment dans séquence de violence, vraiment, mais presque aux larmes, si je puis dire. Il y avait un truc comme ça dans Midsommar avec la séquence de La Falaise, notamment, où la séquence est pour moi tellement brutale que j'ai une dame qui a coulé au moment de la séquence de violence. Je pense à Nightingale aussi de, de Jennifer Kent avec une séquence notamment de viol qui m'a. Je suis dans un état complètement où j'ai presque une dissociation, où j'étais très 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 mal vraiment. Je suis sorti un peu sortir de mon corps, à regarder le truc. Et là, on est un petit peu en ce truc-là. Je pense que j'ai tellement été traumatisé dans une certaine mesure par le film que j'ai pris ce, ce recul de le repousser, de le rejeter totalement. Et donc je l'ai revu récemment à l'occasion de ce podcast-là. Et j'ai beaucoup apprécié le revoir. Et j'ai compris en fait que ce n'est pas tant le film qui m'avait vraiment posé cet état de révulsion, mais ce qu'il me disait de l'humanité. Voilà. C'est juste ma petite parenthèse pour introduire la chose. Julien, à toi, qu'en as-tu pensé Comment as-tu vécu l'expérience ah ben, C'est particulier ce que tu dis parce que c'est un petit peu. J'ai eu cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment, arrivé à un moment du film particulièrement, j'ai ressenti une forme de rejet. À un moment, j'ai dit, là, ah, ça va très loin. Et je me suis posé la question, j'ai fait pause pendant 2-3 minutes. Je me suis dit, est-ce que ça va pas trop loin Mais justement. C'est malheureusement, et ce qui fait que c'est un film très intéressant, malheureusement une représentation très réaliste de ce que pourrait être une telle situation. Euh, quand on y pense, bon, c'est pas tout à fait le même concept et contexte, mais il y a eu par exemple l'histoire de ce crash d'avion dans les Andes où les gens finissent par se bouffer entre eux, mais parce qu'ils étaient morts, mais quand même, dire que jusqu'à quel point l'humanité peut perdre son humanité pour la survie. C'est un petit peu l'idée ici. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, cette histoire de crash d'avion dans les anges, hein, Juan Antonio Bayona va faire un film bientôt, visiblement qui en fait est... va s'appeler Le Cercle des Neiges. Bon, bah c'est pareil, huis clos, bah, huis clos, parce que finalement, quand vous crachez dans les Andes en avion, ça reste un huis clos. D'abord, avoir le magnifique panorama autour, tu ne peux pas faire grand-chose. Là, on a un huis clos étouffant. C'est du post-apo ultime de survival. On ne peut pas faire plus violent comme principe. Sachant que tout autour est détruit. En plus, à un moment, l'immeuble s'effondre. Enfin, il n'y a aucune porte de sortie. Enfin, si à un moment, il y en a une, on, on spoilera gaiement après, mais oui. il y a une potentielle porte de, de sortie. Mais même celle-ci, elle est dans le désespoir, en fait. C'est tellement sombre. Et en plus, ça va crescendo. C'est-à-dire que, bon, première partie du film, tu te dis, bon, allez, ça va. Ouais, il commence à péter un plomb, mais on pèterait tous un plomb. Mais là, jusqu'où ça va, c'est vrai qu'après, on a les pires la pire noirceur de l'humanité dans ce film mmh. et parfois tu te dis ça pète too much mais non c'est à dire que là on a des caractères de base déjà ils vont pas forcément très bien dans leur vie peut-être hein, mais bon mais il y a aussi euh, à un moment je me suis posé la question est-ce que Xavier James a voulu mettre son spectateur face à un dilemme moral dans le sens où il va au bout de son truc donc c'est hyper réaliste et violent mais est-ce qu'il veut pas nous mettre aussi pour nous questionner nous et les, les scénaristes hein, parce qu'il y a deux scénaristes derrière mais dans la peau du voyeur, parce que là, à un moment, on est transposé en tant que voyeur. Il y a une scène, on peut le dire, c'est pas un spoil, mais de viol, à un moment, enfin, y a, y a de, de torture, etc. C'est d'une âpreté absolue. C'est là où tu vois la, 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 la malice du film qui va crescendo jusque là. C'est pas une scène gratuite qu'on peut avoir dans du torture porn ou le gore, machin. Là, il y a quelque chose qui suinte la moralité absolue et ça fait mal. Là. Ça fait mal. Et là, à ce moment-là, tu ne peux pas regarder ça juste comme un divertissement. Tu peux pas. Tu te questionnes en tant qu'être humain. Inconsciemment, tu te dirais, mais qu'est-ce que je ferais dans cette situation euh, Par exemple, si tu es témoin de ça dans une situation comme ça, dans un huis clos, qu'est-ce que tu peux faire Ben, C'est des personnages, là, ils font rien. Il y a des personnages qui ne font rien parce qu'ils peuvent rien faire. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et c'est d'une brutalité. Alors, évidemment, en plus, Xavier Jean... On peut dire ce qu'on veut du scénario, on peut parfois se poser la question est-ce que c'est pas trop. -ce que pas trop euh... On peut se poser des questions hein, sur le potentiel aspect, mais vu, vu que ça va très loin, potentiel aspect misogyne, homophobe, on peut se poser cette question. Je ne dis pas que le film est comme ça, euh, mais vu qu'on va très loin dans le délire, que ça se met dans une forme de gratuité, fatalement, vu la situation, on peut se poser cette question-là. Mais en fait, arrivé au bout, tu te dis, on est dans un contexte très particulier avec des personnages qui sont borderline peut-être de base aussi hein. dire que bon c'est du cinéma c'est pas non plus des gens euh, forcément qui sont en pleine forme de base et euh, Xavier Jean à la réal c'est pas lui qui écrit le film il se sert du scénario et il fait quelque chose à la réal de très pertinent il va au bout de son truc et ça monte en puissance y compris d'ailleurs sur le choix de colorimétrie ça s'assombrit c'est de plus en plus sépia terne dégueulasse dans l'image Temps. Temps. Il y a une vraie. Oui, puis il y a même, même, même le lieu, hein, une... c'est vrai ah qu'au ouais. début, en fait, le... début, en fait, dans un premier temps, c'est vrai que les promis, la première quart d'heure, cette micro-société parvient à fonctionner plus ou moins. En fait, il y a quelque chose, de... dans un premier temps, s... c'est pas immédiatement dans la noirceur, c'est pas immédiatement, non, je te fous la, la tête dans la merde des et... Et je te laisse plus sortir. C'est vraiment très très progressif parce que dans un premier temps, ça a l'air de fonctionner. Ils s'entendent à peu près correctement. D'ailleurs, ils mmh. s'entraident même puisqu'il y a tout un truc avec ce qui vient du dehors et euh, tout un truc avec la petite fille parce qu'il y a une petite fille aussi dans l'eau oui. donc il va disparaître à un moment donné. Mais il y a une petite fille et, et il y a quand même de l'entraide entre les personnages. Il y a une certaine forme d'empathie notamment avec un qui va essayer de sortir dehors pour aller chercher quelqu'un. Et, et pour pouvoir aider le personnage de Rosanna Arquette, donc il y a quand même quelque chose qui fait que dans un premier temps, ça fonctionne. Effectivement, plus le temps est long, alors il y a un travail sur le temps qui est hyper intéressant pour dilater le temps, le temps qu'on perçoit en fait du film, pour que ça paraisse très long, pour qu'on ressente vraiment le, le, la durée vraiment de cet enfermement. Parce qu'il y a des films, je sais pas, je prends un exemple comme ça qui me vient, qui est 30 jours de nuit de David Slade par exemple, où c'est 30 jours de nuit et on sent pas ces 30 jours, on a l'impression que ça se passe en une seule nuit parce qu'il euh, a du mal à faire sentir ce temps qui passe là. On sent le temps qui passe on sent, parce qu'il travaille extrêmement bien sur les mécanismes psychologiques des personnages et comment dans un premier temps, effectivement, on a ouais. cette envie que ça fonctionne et que progressivement, il y a un moment donné, ça disjoncte ou ça casse ou ça pète et donc ça peut plus fonctionner. Ouais. Tu as des films et comme ça, ça qui fonctionnent bien. Tu as, as 127 Heures aussi qui oui. joue avec oui. ça. Tu as, as Ted Overfield Lane aussi, oui. une autre manière qui fonctionne aussi. C'est vrai qu'ils jouent bien là-dessus. En plus... À certains moments, il va même faire l'ellipse maligne où il bouffe toujours la même chose tous les jours. Euh, des faillots, des flageolets. Là, voilà, c'est pas bon. Si vous bouffez trop de flageolets à la maison, vous voyez ce que vous pouvez devenir, c'est peut-être le message. Non, mais c'est vrai, ils ont pas une nourriture équilibrée. Enfin, ils peuvent pas. Tant qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui meurt, euh, au pire, ils peuvent pas. <laughs> Pour en revenir au, au crash d'avion dans les Andes. Mais en plus, ils se posent cette question. D'ailleurs, ils en parlent dans le film, hein, je crois, de cette année, de, de oui. ce fait divers. Oui, bah voilà, après, je t'ai coupé, mais euh, oui, la dilatation. Non, mais c'est vrai. Euh, le... C'est l'urgence aussi. C'est un peu entre les deux. l'urgence, effectivement. Bah, le début vraiment on te plonge vraiment en pleine urgence parce que t'es as... As... S... plongé pleinement dedans. Tu sais pas ce qui se passe. Et c'est intéressant parce que es vraiment. Tu pars avec eux en fait. Il y a vraiment cette idée où on te met dans cette urgence. là tu as... Impre... as presque l'impression d'être un membre de cette de cette de cet immeuble qui est précipité. Qui est au réveil, il entend cette, cette alarme dehors et il est précipité au réveil et il va directement s'enfoncer avec les autres, se précipiter à l'intérieur de sous-sol, tout en sachant qu'il ne sait pas ce qui va se passer, s'il va en sortir à un moment donné, quand est-ce qu'il va en sortir. Et pour revenir sur la question que tu disais par rapport de la transformation, ce que je trouverais intéressant, c'est que le sous-sol se transforme aussi, le lieu, le contexte, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'espace mental en fait, où chaque finalement décor est le reflet de l'état interne des personnages en fait, continuellement et de la manière dont leur psychisme se délite au fur et à mesure et comment en fait cet espace devient en fait se délite aussi au fur et à mesure devient crade, sale il euh, y a, y a ce, tra ce travail pour inciter continuellement à la nausée en fait le spectateur tu disais de la nourriture qu'on répète et qui est toujours la même oui. c'est hyper nausée en fait tout le temps il y a quelque chose de, de très très euh... enfin, moi je, je trouve c'est vraiment répugnant et vraiment éprouvant en fait à regarder et puis même, tu as le jeu sur des, des petits trucs de détails dans les décors. Bon, il y a ce drapeau américain oui. qui perd tout son sens fatalement, parce que là, il n'y a plus rien qui existe, en fait, au niveau nation, etc. Et même l'utilisation du drapeau américain, sans en dire plus, fait que c'est pas un film, enfin, c'est un film coproduit par les États-Unis, mais très indépendant, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les films de grosse production avec le drapeau américain. Et là, Xavier Jean, il, il se met aucune limite. Mais c'est vrai que moi, je me suis posé la question quand même, dans un film comme ça, tu es obligé à un moment, tu te dis... Surtout si tu une boîte de production derrière, un peu, un peu ric-rac, là, tu es obligé de t'imposer des limites, fatalement. Là, Xavier Jean, je crois qu'il l'a dit en interview, il a eu la totale liberté. D'ailleurs, il a, au jour le jour, il savait même pas si le film allait aller au bout, parce que bah, ils, ils attendaient encore les financements. Enfin, ça a duré 30 jours. En plus, les acteurs, ils ont dû faire du sport, perdre du poids. Enfin, ça a été intense pour eux. Il a réussi à avoir Rosanna Arquette et Michael Bean dans un film indépendant qui était pas sûr d'aller au bout, quand même. C'est quand même un grand tour de force. Et du coup, il était dans cette urgence-là, lui aussi. C'est marrant parce qu'il y a presque un côté méta d'avancer dans... le... mais... sans savoir où on va. Dans ce huis clos d'un tournage qui a dû être éprouvant pour tout le monde, y compris sur certaines scènes. Il y a des scènes, là, quand... même quand es actrice-acteur, à un moment, voilà, Rosanna Arquette, on va pas dire ce qu'elle subit pour l'instant, on spoilera après, mais c'est super violent. Et, euh... Et du coup, euh... Je... la question, c'est la limite. En fait, Xavier gens il, a... il s'est dit Quitte à faire un film comme ça avec la liberté totale, je ne me mets aucune limite. Il est allé sonder la noirceur ultime de l'être humain. Ça n'a pas dû forcément être facile pour lui non plus, je pense. Mais il s'est oui, dit, autant faire un film total, allons au bout des choses. Enfin, un Takashi Miki aurait peut-être fait le même genre de délire. Bon, il t'aurait mis une chorégraphie, un peu de stop-motion avant ta gauche. Il mais... <laughs> t'aurait fait danser les flageolets dans, le, dans le plat. Je sais pas quoi. Mais je pense qu'il y a des réalisateurs comme ça qui peuvent faire ça. Et Xavier peut-être fait partie de ces rares réalisateurs qui oui. se sont permis d'aller au bout comme ça. Je suis pas certain que tous ou toutes auraient, se seraient permis d'aller au bout. Alors évidemment, derrière, il a dû se prendre un saut de critique ou d'accusation. Tu vois ce que je veux dire Comme j'ai dit tout à oui. l'heure, parce que le film comme ça, vu ce que ça montre à certains moments, on peut toujours se poser des questions. Mais en fait, c'est juste aller au bout de la noirceur humaine, vu la situation. Oui. Et en effet, ça peut aller très loin. Et ça va très, très loin. Et. Mais... Euh... Je te propose comme ça qu'on puisse continuer sur ta lancée. On va on va rentrer en zone spoiler. On va commencer à spoiler de ah, toute ouais. façon. Ça, voilà qu'on soit au moins plus clair. En plus, c'est vrai que là pour parler justement de cette idée que le film va très très loin, je pense qu'il est nécessaire de spoiler <laughs> le coup dès le début. Enfin, c'est c'est intéressant parce que le film Xavier gens il nous piège un peu. Le premier plan euh, dans la rétine donc de du personnage Lauren German, German ou German, je sais pas si on prononce son nom avec le jeu ou le gueux. Euh, ça dépend de ses origines. Et euh, du coup, on voit l'apocalypse arriver. D'ailleurs, au début, on se dit, tiens, c'est quoi une Météorite peut-être euh, Ou euh, une attaque nucléaire Bon, après très vite, après les histoires de radiation, on sait que c'est une attaque nucléaire. D'autant plus que oui. tu as un petit clin d'œil indirect. Alors, est-ce que c'est en lien Mais le film sort 10 ans après le 11 septembre. Et à un moment, on voit des affiches, enfin, des, à fait, des oui. petits encarts de journaux du 11 septembre, parce que le survivaliste, à la base, c'était un pompier qui a servi, qui a connu ce traumatisme-là, et qui a dû développer un peu la paranoïa bouche après. D'ailleurs, on voit, il y a même bouche, voilà. Donc, petite pointe sur l'Amérique aussi. Même si, pour le coup, ici, hashtag, il avait raison, mais pour bon, <laughs> retourner la situation. Mais donc, au début, on est là-dedans et on ne sait pas on ne sait pas si c'est la Chine, si c'est Poutine qui a attaqué, on peut toujours imaginer tout et n'importe quoi, Kim Jong-un, euh, Kim Jong-tou, euh, tout ce que vous voulez, <laughs> toutes les blagues qu'on veut avec. Non, mais voilà, on ne sait pas et on s'en fout, on s'en fiche. On les fait descendre aux enfers des, du sous-sol, n'est bon, pas très subtil, mmh. mais quand même. D'ailleurs, descendre des escaliers en spirale, tout ça, on, oui. on y est là. Et après, on s'en fiche, on n'aura pas de réponse. Ça, ça, c'est bien aussi. Ouais. Bon, il y a un moment des scientifiques bizarres qui viennent kidnapper les filles. Les enfants, euh, euh, ouais. Visiblement, bon, bah, c'est juste pour faire des tests dessus, pour euh, perpétrer euh, la race humaine derrière, j'imagine. Enfin, mm. Mais on ne sait rien et on ne peut pas et on s'en fiche. fiche parce qu'après, c'est qu'une question de survie. D'ailleurs, ça nous met face à la, à la condition de survivre. Survivre pour qui et pourquoi mm. Bonne question. Pourquoi survivre bien sûr qu mais juste pour dire ce que tu disais, en plus le fait qu'on sache rien renforce un truc important, c'est qu'on est exactement comme... Les, pour revenir à cette idée on est enfermé, on est comme ces personnages à l'intérieur du truc qui ne comprennent pas ce qui se passe dehors. Mmh. Donc le, le fait qu'on n'en sache pas plus non plus que ça joue énormément sur le, le côté hyper anxiogène et hyper angoissant s'ils se trouvent dehors. Et je veux revenir sur un petit truc aussi euh, que tu disais sur la, la question des, des visions d'Apocalypse, c'est celle qu'on a au tout début, en fait celle qu'on aura au tout début et qu'on aura à, tout, à la toute fin, pardon. Euh, il y a quelque chose de très apaisant et de très beau en fait dans les visions d'apocalypse. Il y a presque non. cette idée-là que euh, pire que l'apocalypse encore, c'est l'humanité. Et finalement, est-ce oui, que l'apocalypse n'est pas une bonne chose pour supprimer oui. cette humanité en fait non, Parce et que et la fin, coup, elle est violente. Elle est violente la elle fin. Est parce que la, le personnage le plus gentil, enfin bon, il euh, y en a une qui souffre énormément. Hein, Rosanna Arquette, c'est elle techniquement la plus gentille. Ouais. C'est la mère qui a perdu sa fille, qui se fait violer, torturer derrière. C'est une, une horreur absolue ce truc. Ouais. Mais la Eva qui est à peu près gentil, bon, elle essaye d'attendre un peu. Et à la fin, on marque c'est amusant parce que c'est très ambigu à la fin, moi j'aime beaucoup ça quand même. C'est-à-dire ah, qu'à la bien fin, bien. elle voit cette violence masculine hein, qui pète des plombs, là, les mecs qui ont pété un plomb dans tous les sens, elle décide de les enfermer, de se barrer. <laughs> elle les laisse dans leur merde, c'est le cas de le dire. Et après, Et on est là, mieux elle dehors. Sont... Mais oui, mais elles sont... Et voilà, est ça. elle est limite mieux dehors avec sa combinaison dans un... Un wasteland total, elle va crever probablement dans deux jours parce qu'il n'y a pas de nourriture, et rien, mais au moins elle va avoir de la tranquillité. C'est oui, ça. Mais c'est ça. Mais c'est d'une violence, mais en même temps, ouais, c'est ça, l'euthanasie euth... de la part sombre oui. de l'humanité à la fin, en fait, pour ne pas devenir folle comme eux hein, aussi. Je pense qu'à un moment aussi, il faut... faut prendre le ah ouais, c'est vraiment les, les images de la fin là, quand elle sort. Moi, pour moi, je trouve c'est une respiration en fait. Et pourtant, effectivement, c'est un cataclysme. Il y, a de la, il y a des cendres partout. Elle est enfermée dans son scaphandre, mais sa combinaison, mais on est bien en fait finalement. Nous aussi, oui. comme elle, on respire dehors et on est content d'avoir euh, fui tous ces mecs parce que globalement, c'est quand même effectivement, c'est des hommes. Le hein, euh, pire, Crozenarquette n'est qu'une victime aussi, euh, ah oui, oui. comme les autres. C'est vraiment cette. Euh, cette pression aussi du patriarcat qui va se. Parce que c'est une société patriarcale qui se forme en fait dans ce sous-sol aussi. Et c'est ça qui est terrifiant en fait. C'est vraiment cette. C'est une reproduction d'une société euh, dystopique, très humaine et tout. Alors qu'on entend le, le héros du court-métrage <laughs> Tilk, enfant. Vous pouvez voir ça sur la chaîne de Romain, vous l'avez vu. Je te fais de la promo. <laughs> non mais plus sérieusement. <laughs> non mais Il a le droit, on peut le féliciter pour sa prestation, euh, il a le droit de se manifester. Il a le droit d'exprimer, d'accord. Ils auraient pu rajouter un chien d'ailleurs, mais bon, s'ils avaient mis un chien dans, dans le film, il l'aurait bouffé, donc euh, finalement, <laughs> il aurait pu... Hein. Au pire, hein, idée. Que... voilà. Mais non, mais c'est ça, le personnage Rosa Arquette, elle passe par tous les trucs les plus tragiques possibles. Elle perd sa fille, elle euh, se fait violer, et torturer, elle espère que la mort, quoi. Hein. Elle est un bon. objet, hein. elle est complètement vérifiée. Ah, mais... euh... C'est ça, et puis t'as les mecs autour qui, qui ont perdu totalement le sens de la réalité, et oui, il y a ce microcosme dystopique du mec que... Que tout-puissant qui ne va rien respecter, un peu du battant guerre américain aussi, Enfin, du, je pense qu'il y a... Bon, Xavier Jean s'amuse un petit peu aussi sur la société américaine là-derrière, hein. mais bon, après, voilà. Il doit pas en penser... Euh... Il, doit... il doit... Ouais, il, y pense... il en pense pas moins, je pense, sur certains points. Après tout, il règle peut-être des comptes de Hitman aussi, <laughs> vu comment il avait peut-être été traité sur la bande <laughs> du film. Mais c'est vrai que c'est d'une. Ça... Voilà. Puis il y en a. Alors après voilà, c'est. Il y a des trucs qui peuvent être maladroits. Par exemple, le personnage donc de... tu as dit Michael Ecklund qui euh, fait son coming out plus ou moins, mais qui en devient encore plus tordu. Ça peut être mal perçu ça. Mais je pense que c'est même pas un coming out pour moi. C'est-à-dire que le gars, il se met dans une posture. Euh de folie où il joue un rôle de... oui, il s'imagine lui même, même lui-même peut-être jouer quelque chose de déviant pour encore plus rajouter des trucs c'est peut-être une homophobe au final là-dedans on ne sait pas, il y, a, il y a un truc très ambigu mais c'est vrai que ça va très loin là-dessus, c'est très risqué dans l'écriture je trouve parce que tu peux faire des interprétations dans tous les sens que tu veux c'est vrai que c'est là où d'ailleurs on voit que c'est un acteur qui aime bien jouer les méchants parce qu'il se donne à fond mais, et puis il y a son pote aussi, il a joué par Milo Ventimiglia quand même. Hein. Alors lui, oui. il passe de, de la série Heroes, où il avait un rôle tout propret et tout, à ça. Ou hein. le fils de Rocky aussi. C'est un personnage odieux aussi, les hein. passages horribles aussi. Oui. En plus, il se rase la tête, hein. il y a peut-être une oui. référence aussi au skinhead. Enfin, voilà, il y a cette ultime noirceur humaine. Alors évidemment, il va au bout du bout, mais en même temps, ce sont des gens qui sont descendus en enfer, dans les deux sens du terme, avec l'apocalypse derrière et puis le sous-sol. Et euh, quand on voit que le leader là-dedans, c'était quand même un survivaliste qui était un peu borderline, au final, c'est limite lui le plus gentil. Quoi. <laughs> oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que lui, effectivement, on, va, on a vu pour ce, ce personnage-là qui, effectivement, est enfermé, au en fait, pendant tout le film, qu'ils ont torturé aussi et qu'ils enferment, parce qu'il cache dans une sorte de euh, voilà, paranoïaque a... oblige, et... <laughs> il cache l'arme à, à feu de l'Américain, évidemment. <laughs> voilà, tout à fait. <laughs> Avec le drapeau américain, qui après les limites... Les, les, à limite, après, c'est pas si s'il se torche avec, hein, mais presque. Hein. C'est <laughs> pas loin. Peut-être une scène coupée où ils le font, mais je pense que au moment, voilà Et puis bon, après, t'as quand même des personnages masculins qui, qui subissent là-dedans. T'as le personnage, alors, du français, parce qu'il y a un <laughs> dans le film. Oh, il y a le français, effectivement, oui. Il y a un français qui est joué par un acteur espagnol qui parle très bien français. Hein, D'ailleurs, hein. il a une réplique en français. moment, hein, il le fait très bien. D'ailleurs, Ivan Gonzalez, on le trouvera dans d'autres films de, de Xavier James. Après, j'ai vu dans au casting. Et euh, mais lui aussi il subit, mais après il euh, y, y a celui qui ne fait rien aussi. Mais Il y a, il y a tout là, un truc, c'est la lâcheté est aussi. Qui, ouais. Et c'est ça laisse qui. Sa et... copine se faire agresser tout en sachant tout un tas de choses. Enfin, effectivement, il y a vraiment une. La, le, le mal dans l'humanité, il, il, cette idée de montrer aussi qu'il arbore plusieurs visages, ça, ça, il peut être totalement actif ou complètement passif. En fait, le mal peut émaner aussi de la passivité. Donc, euh, même ces personnages-là d'hommes, en fait, sont profondément lâches. C'est le mal protéiforme qui n'a pas besoin d'avoir une entité extérieure pour être vraiment mal. On n'est pas dans The Thing là. C'est euh... quoique même dans The, The point, Thing, les gens, vous pouvez se poser cette question parce qu'il y en a qui deviennent mauvais sans être contaminés pour autant. Et c'est très. Moi, je trouve en même temps le film a quelque chose de très Carpenterien à certains moments aussi, oui. ce t'es assaut quand même ou ah, oui. euh, assaut inversé ou déclinaison de l'assaut, ça fonctionne aussi très bien. Et même Prince des ténèbres, hein, tu peux pousser Et voilà. des vies. Hein. Tout à fait, oui. Mais, le... Mais le mal est déjà là, en fait. C'est ça. Les graines du mal sont là, il suffit qu'on qu les arrose, voilà, que, ça. Euh, que ça pousse. Que c est, c est, c est... Après, quand tu ressors de là, moi je me, je me pose la question vraiment, mais est-ce que tu t'en arrives à en douter à de l'humanité C'est la question. <laughs> ah, C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on ferait dans la, à leur place ouais. oh, Beaucoup d'entre nous seraient peut-être les lâches qui ne font rien, malheureusement. Probablement. Voilà. voilà. Après, le, le, la, 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 la question ne se pose pas pour moi, en fait. c'est-à-dire que ce n'est qu'une confirmation, mais euh, enfin, l'enfer, c'est les, les autres Sartre. enfin pour moi, c'est oui, même si. Mais c'est pris au pied de la lettre, parce que Sartre, c'est pas totalement ce qu'il veut dire non plus. Euh, mais l'enfer, c'est les autres il est quand même là, euh, pris au premier degré, il est très présent, en fait. Et euh, Oui, moi, je, mais moi, n'ayant pas foi en l'humanité, étant euh, profondément misanthrope, je trouve que le film est très pertinent, en fait, sur plein de choses. Même si, effectivement, tu le disais, je trouve que peut-être, parfois, Peut-être, et encore, mais c'est vraiment une. Il va peut-être un, un petit cran, il pousse les potards, peut-être un tout petit cran trop loin. Peut-être qu'on pourrait être un petit peu, mais je vraiment un minima, un tout petit peu optimiste. Et, mais, euh, mais non, en fait, finalement. Loin. En fait, c'est à la fois la limite et la force du film indépendant. C'est que s'il y avait eu un producteur plus marqué derrière, oui, il y aurait eu des limites. Euh, mais là, il ne s'en est pas mise ce qui peut être embêtant, parce que là, il s'est mis dans une position où forcément, il y a du rejet de la part de beaucoup de gens, et c'est normal, c'est humain. C'est pas le genre de film, où tu vas dire, ah, oh, c'est extraordinaire, tiens, je le revois dans deux heures. Euh, quand bien même, t'es pu aimer le film, tu vas quand même laisser du temps avant de le revoir, tu ne vas pas forcément le conseiller à n'importe qui autour de toi. Voilà. Exactement. Tu vas pas regarder ça en vacances avec tes parents, euh, voilà. Tu vas pas montrer ça à ton petit neveu ça... une mauvaise idée. Non, mais très mauvaise idée. Même si on connaît des ados de nos jours qui euh, oui. regarderaient ce genre de film. Limite, ça serait moins violent que ce qu'ils peuvent tomber, que peuvent voir sur Internet parfois. Mais, oui, mais... bon. Mais par contre, c'est un film qui, qui serait analysable sur comment l'humain peut, aller, à quel point l'humain peut. Se pervertir dans des situations comme ça. Alors, oui, c'est une vision très négative, pessimiste, nihiliste. Il y a peut-être un peu de cynisme aussi par moment, je ne sais pas, mais c'est philosophiquement intéressant. C'est plutôt au niveau des scénaristes. Moi, j'aimerais bien savoir euh, s'ils vont bien dans leur vie, etc. Bon, écrire comme ça quelque chose. Euh, bon, après, Xavier Jean, celui de l'a mis réalisation, c'est peut-être lui qui a poussé les limites après, hein, du scénario. Et... Frontière, le dérivant. un d'ailleurs à quel point, à quel point lui, là, dire, oui. a il a, j'allais dire, a-t-il édulcoré le propos de base si c'est le cas, voilà, d'être enlevé un animal qui se fait euh, torturer, hein, mais où il, c'est est lui qui a rajouté, ou alors est-ce que le scénario était comme ça Ce hum. serait intéressant de savoir ça. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est que ça, malgré le fait que ça, effectivement, que ça poussait potard très loin, ça a quand même du sens en fait. C'est pas effectivement, il oui. y, ah, oui, y, oui. y a la gratuité, elle est dans les actes des personnages qui commettent des actes gratuits, mais le, le fait que ces personnages commettent des actes gratuits dans un contexte particulier est une forme de discours qui dit quelque chose de notre humanité, qui dit justement qui pose la question à quoi tient notre humanité et qu'est-ce qui effectivement peut nous faire déchoir de notre humanité ou est-ce que finalement ce mal-là est constitutif de l'humanité aussi C'est du triste réalisme, c'est une vision pessimiste de quelque chose de réaliste. C'est possible que ça puisse arriver, dire que ça a l'air exagéré, tout ça. Non, c'est possible. Après. La question est est-ce qu'on doit tout montrer C'est des débats qu'on peut avoir pendant. Euh, euh, voilà, ça, ça dépend des sensibilités de chacune et de chacun aussi. Moi, Je pars du principe qu'on peut le montrer si dans l'histoire ça se justifie qu'il y a le ouais. message derrière. Alors après, le problème c'est que le film est-ce qu'il va avoir un... Est-ce que le message est clair C'est difficile à dire. Si on le voit du premier degré, c'est il euh, n'y a aucune euh, aucun espoir dans une situation comme ça avec des personnages tels que ces personnages-là aussi, c'est-à-dire que ils n'ont pas eu de bol, ils sont pas tombés sur, euh, on va dire les fruits les, les moins pourris du panier, quoi. parce que c'est ça. Et les seuls personnages plutôt positifs se laissent bouffer, voilà, mmh. au sens second du terme, hein, on vous rassure, mais euh, parce que c'est vrai qu'on ne va pas, y en a pas un qui est tué pour être bouffé quand même. La seule limite, c'est le truc qu'ils évoquent en fait, qui, qui ne se passe pas. Le cannibalisme n'est pas du tout. Mais, mais en même temps, il prend un contre-pied intéressant parce que le, le propre, souvent, c'est... Alors effectivement, il y a un cannibalisme psychologique, etc. Mais il y a, il y a quand même quelque chose, effectivement, qui n'est pas forcément toujours traité de manière très claire. C'est souvent traité de manière un petit peu périphérique dans, les, dans le cinéma d'horreur ou le post apo C'est l'aspect sexuel, en fait, qui est plutôt souvent mis un petit peu de côté. On ne le monte pas forcément. L'idée, c'est de mettre vraiment plein pot là-dessus. Et le reste devient périphérique. Mais il y a vraiment cette question de perversion sexuelle, en fait, Il prend énormément... De... C'est malheureux à dire, mais dans un cas comme ça de huis-clos, de survie pertinent. où il y a, oui, s il y a plus d'espoir dans une survie comme ça, malheureusement, ça arriverait. Les cas de viol euh, comme ça. Oui, tout à si, fait. Si on met une dizaine de personnes et tout, il y en a bien dans, dans le lot qui malheureusement. Après, ça dépend comment le groupe va réagir et etc. Parce que le, au pire, c'est que le pire, c'est qu'au début ils prennent, la... enfin potentiellement une bonne décision en ligotant le survivaliste qui pourrait cacher des trucs et encore bon ça se discute ça mais au final ils vont faire pire derrière c'est marrant ça, ça c'est ouais, mais puis il y a quand même tout un tas de trucs qui amènent à ça parce que tu... il y a par exemple le, le truc où il y en a qui les personnages qui sont morts ils vont découper en fait parce qu'ils commencent à pourrir oui, oui, et ils aussi, les coupent ouais. en morceaux et donc ils... c est, c est ces séquences qui sont extrêmement dures en fait qui pour le coup sont suggérées en fait c'est ça qui est hyper intelligent c'est qu'il sait quand il faut suggérer et quand il faut montrer notamment pour ce personnage, notamment le personnage de, de Michael Eklund qui, euh, qui va être le premier, je crois, à se dire je vais y aller et je vais aller couper le, le mec en morceaux à l'âge pour euh, se débarrasser des trucs et balancer ça dans les dans les chiottes. Et, et, et ce truc là en fait dans la fin de la fosse d'ailleurs le personnage de elle plonge vraiment dans les tréfonds à la fin de, mmh. de Lauren German en allant vraiment dans la fosse en fait pour sortir qui est la seule sortie possible c'est l'endroit où il y a la merde c'est la fosse c'est le les tréfonds ah, oui. et je trouve que symboliquement c'est hyper intéressant et, et je trouve que justement c'est ces moments là que ce personnage a, parce que, on n'excuse pas leur comportement, mais on l'explique très souvent, on montre quand même qu'il y a quelque chose qui les mène à cette folie-là. Peut-être qu'il y a quelque chose de bas qui est déjà présent, qui est effectivement c'est des germes et qui vont être arrosés, notamment par tous ces phénomènes-là, qui sont notamment d'aller découper en morceaux euh, le truc parce qu'il faut les, les corps pourris, etc. Cette confrontation directe à la mort, cette petite fille qui est enlevée, etc. Il y a trop de choses qui font. Et c'est ce qui si finalement on fait péter. On parlait avec Mickey de, de magma, il ben y a ce côté-là en fait, c'est une sorte de magma Ouf. qui est prêt à exploser. En fait, le volcan qu'on trouve chez Mickey. Qui pour le coup est plutôt libérateur chez Mickey dans ce, on, ce dont on a parlé, est plutôt une libération. Là, le, le volcan il explose et c'est pas très positif. Là, on est sur une, plutôt la, la mélodie euh, la, compte, la complainte du malheur. C'est ça, <laughs> c'est pas la mélodie du, du malheur, c'est la complainte hein, en Mais oui, là c'est pas le magma, c'est la, la fosse à purin qui. Oui, la fosse C'est le caniveau qui déborde, mais enfin là c'est sceptique euh, explose au visage de, des personnages et du coup des spectateurs. <laughs> C'est vrai. Que... Et là, je... en sortant de la zone spoiler avant de conclure, oui. attends, je... je suis en train de pirater ton émission. C <laughs> ah non, mais tu as parfaitement raison. <laughs> non, mais plus sérieusement, il y a un truc qui est quand même très fort dans le film, et c'est pas, é... c'est un peu étonnant, euh... mais la musique. Moi, je trouve qu'il y a des très très, bonne, une très bonne partition très bonnes partitions derrière, partitions un peu à la John Murphy. Je sais pas si tu oui, vous vous vois. Bon, oui, je suis d'accord. Et, oui. bon, et c'est son pote, hein, un compositeur, hein, Jean-Pierre Taieb, hein, qui s'en occupe. Bah, il... Il a composé pratiquement la musique de quasiment tous ses films, donc euh, petit, petite dédicace à Jean-Pierre Tailleb aussi, qui s'est fait plaisir musicalement. C'est pas de la musique pour faire joli, hein. c'est musique de tension euh, qui accompagne bien la situation mmh. Qui est là avec Parcimonie aussi. Et, euh, et euh, on voit que ça, ça a été fait avec Xavier derrière, car voilà Jean-Pierre et Xavier ils ont bossé ensemble, et tout, hein. <laughs> Non mais ça peut-être Xavier nous le verra oui. s'il écoute, mais euh... On sent que voilà c'est pas une musique qui a été commandée pour le pour le fun derrière non. qui a été faite en, en deux jours après même sans voir le film des fois il y a des, des, malheureusement des musiques de films sont faites sans que le compositeur n'ait la moindre idée de ce qu'il y a derrière <laughs> voire même il y a des banques hein, déjà qui sont préutilisées mais c'est en, en guise de conclusion je serais très bien ce que tu fasses ce lien avec John Murphy parce que moi c'est un film qui fait beaucoup penser à, à sa manière en fait dans sa manière de traiter l'humanité aussi euh, à Sunshine, en fait, de Danny Boyle, de oui, la et John Murphy, il me semble d'ailleurs aussi. Et pour le coup, je trouve que c'est deux films qui sont assez proches, en fait, parce que le, le personnage du, du commandant de l'ancien vaisseau de, dans Sunshine qui revient, il y a quelque chose d'assez proche, en fait, de ces personnages-là, de cette morceur de l'humanité qui ressort, en fait, dans. Cette de la contemplation du soleil, moi je trouve que cette séquence-là où on voit euh, Lorraine German regarder l'apocalypse dehors oui. avec cette lumière très puissante qui vient exactement comme ces personnes qui vont s'isoler pour regarder en fait le, le soleil euh, en face. Je trouve qu'il y a des liens assez proches à faire entre les deux. Je trouve que le lien que tu fais avec le, la musique notamment est très 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 pertinent. Mais il y a peut-être une approche à la Danny Boyle à ce moment-là. Oui, je trouve. Ouais. En plus Danny Boyle, il, ouais, il, il, il a il a creusé certaines torpeurs humaines. Bon, il y avait 28 jours plus tard aussi. Toujours, ouais, ça... C'est vrai que je pense que Xavier-Jean, je pense que si on lui demande une liste de, de réalisateurs qu'il aime bien, il pourra mettre Danny Boyle dedans. Ça me paraîtrait oui, pas idiot. Pour le post-apo, je trouve que... Et puis tu parlais de 127 heures, d'ailleurs, tout à l'heure aussi. Ah voilà, ça, en il y plus, oui, enfin, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a cette... Puis il y a une cohérence là-dessus, au moins. C'est euh... qu'il y a un travail derrière. C'est vrai qu'il va au bout. Au moins, il va au bout. C'est voilà. la, 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 la liberté du film qui va forcément, d'ailleurs, en paralyser plus d'une et plus d'un, Mais ça, ah, c'est... C'est voulu aussi, c'est un vrai film d'horreur pour le coup. Ah ben là, oui. Il y a cette horreur humaine. Enfin, ça, pour moi, c'est plus fort ce genre de film-là qu'avec des trucs de démons. Euh, parce que ça peut arriver... Enfin, bon... À la, limite, à la limite, je préfère mourir dans l'explosion. Hein, <laughs> c'est mieux, Mais, je pense. Je pense que c'est mieux. C'est le choix que fait quand même l'héroïne à la fin, en fait, à terme. C'est quand même de oui. préférer la mort, finalement, à tout ça, en fait. Même si elle espère peut-être tomber sur d'autres survivants. Peut ouais, mais bon, là, à mon avis, elle va vite déchanter. Hein. Tu... tu peux faire de Divide Part 2, c'est un court-métrage de 10 minutes, tu la vas crever dans la neige, enfin, dans la neige, dans les cendres. Juste dans après. Les cendres. Alors, est-ce que tu aurais un petit truc pour conclure, toi Comment tu conclurais, justement, ce visionnage-là et... Ah. Et, euh... Qu'est-ce que par rapport à ce qu'on a pu voir sur Frontière, par exemple, avant, ou sur Hitman, ouais. que, comment tu. C'est vrai que sur Frontière, il y avait aussi le côté je vais au bout du, du délire, notamment quand on est avec les nazis, hein, enfin, euh, avec la famille de, de, du, euh, du sort de Jean-Marie Le Pen bis, là. Euh. <laughs> Mais c'est vrai que Xavier si on lui laisse la liberté, c'est un des rares réalisateurs comme ça, je pense, en France en tout cas, qui est capable de. C'est comme au poker, il met tapis, quoi. Euh, <laughs> ni direct, euh, il bluffe pas. Euh, si te met tapis, c'est qu'il a une paire ou une suite et tout là, il va. Voilà. En plus toi, Romain, qui fait souvent des tours de magie avec des cartes, euh, mais peut-être que t'es meilleur magicien que joueur de cartes. Je ne sais pas. Certainement oui. <laughs> <C 'est> pas... <laughs> non, moi, je, je ne sais pas si je jouerai aux cartes avec Romain parce qu'il peut toujours avoir un petit as caché là, mais... <laughs> Non mais voilà. Xavier <laughs> c'est clairement avec ce film-là, après, après Frontières, déjà, il y avait quelque chose, mais l'un des réalisateurs le plus jusqu'au boutiste du cinéma français. Mm. C'est marrant parce que, bon, on l'a pas vu, malheureusement, malheureusement, on l'a raté au cinéma, et apparemment dans Farang, ça va assez loin aussi, euh, à suivre, hein, du coup, dans le domaine de l'action. Mais c'est vrai qu'entre temps, il a fait aussi Budapest. C'est peut-être plus étonnant, du coup. À moins qu'il soit allé à fond dans la comédie potache avec, je ne sais pas, à voir. Mais ça sera marrant quand on en parlera, on sortira de nos sentiers battus tous les deux, ça sera drôle. C'est parce... une très bonne idée, oui. Je pense que ça va être un très bon, un <laughs> peu, intéressant. Et puis, Colskin aussi qui. Et Coleskin, qui... qui est très qui... Bon. qui a quelque chose, bah, même s'il est plus épuré, enfin, il est plus lissé, euh, esthétiquement, parce qu'on sent qu'il y a, il y a un studio derrière et tout, mais, il ose quand même un sujet qui n'a pas forcément été traité souvent au cinéma, ouais, ouais. qui inspirera peut-être de Lighthouse après, je ne sais pas. Oui, mais, non, mais je suis d'accord, c'est un film difficile, c'est un autre, il explore autre chose mine de rien. Oui, et puis il ouais, a bah vrai, ça, quelque chose avec un esth une esthétique qui... Euh, il a voulu tenter quelque chose avec Colson, est d'accord. en parlera le temps venu. Eh bien écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Pour cette discussion autour de, de ce beau moment qu'est se divide, <laughs> que ah, tu te souviendras d'un bon. certain temps. Voilà. Et ne regardez pas ce film en mangeant. Moi, j'ai fait cette erreur ouais, aussi. Le... Mais je ne sais pas <laughs> pourquoi. Mais la balade <laughs> en forêt a fait du bien derrière. C'est voilà. un film, vraiment. Il y a, il y a vraiment, on ressent ce côté étouffant et on ressent ce besoin de sortir après, je pense. Et... En tout cas, donc, on se verra pour les prochaines aventures auprès de Xavier. Je pense que la prochaine fois, ce sera, il me semble, Colskin, je pense. Je pense, il me semble, si je. Dans l'ordre, ou alors peut-être Il y a pas. The Crucifixion aussi. Ah, il y a The Crucifixion aussi. Et ah. que je n'ai pas vu, donc ce sera l'occasion de découvrir ah. aussi ensemble. Double découverte. Donc, double découverte. Une histoire d'exorcisme. De... <laughs> Moi, je suis Parce très curieux. L'exorciste fête ses 50 ans bientôt, et oui. puis on rendra hommage indirectement aussi à William Friedkin. Oh, voilà, on fera un petit, un petit remerciement à William. Ouais. Qui est certainement je un réalisateur qui qu aime aussi Xavier Jean, a dû aider l'exorcisme. Oui, je pense. Ouais. Il y a des chances. Qui n'aime pas l'exorcisme En tout cas, un grand merci à toi. Et puis, bah, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je mettrai en lien, normalement, le lien donc, du, du Mickey qui euh, est couplé avec ce Xavier Jean. Je ne vous en dis pas plus sur ce que c'est. Vous découvrirez, vous passerez certainement <laughs> un, un bon moment de découverte avec ce Mickey. Très différent en termes d'émotion que ça vous laissera par la suite. Je pense que c'est <laughs> très différent. <laughs> On passe voilà, de, de genres très très différents. Mais en tout cas, voilà, je te remercie beaucoup. Et puis je te souhaite une très belle soirée. On se retrouve. Et puis une très bonne rentrée, puisque ta rentrée se situe bientôt aussi. Eh oui. et ma course se termine. Bah, Peut-être que c'est une bonne idée. Tiens, si jamais il y a des, en... des élèves qui nous énervent et tout, on va les enfermer dans un sous-sol comme ça. On verra ce que ça donne au bout de 2-3 jours. <laughs> non, évidemment, on <laughs> le fera pas. <Voilà>, on... <laughs> S'il y a des parents qui passent par là, non, on ne le fera pas. Non, non, évidemment. Mais <laughs> ça sera intéressant. Dans l'expérimentation. Ce qui, qui, qui se ferait entre. J'ai pas envie d'imaginer. Non. Voilà. Donc on le fera pas. Ouais. <laughs> Bonne soirée à toi encore et puis merci pour tout. Merci. Bisous. Salut. C'est bisous.